Masque suspendu au rétroviseur de votre voiture, gare aux contraventions. Désormais, le masque nous accompagne quasiment partout. Où le rangez-vous en revanche lorsque vous l'ôtez? Une place jugée mauvaise, pourrait vous coûter cher. En Suisse, aux abords du lac Léman, mieux vaut prêter attention à la place à laquelle vous rangez votre masque. Celui-ci, devenu obligatoire dans divers lieux, notamment dans les commerces, ne peut en effet pas se poser partout. Les automobilistes suisses, qui ont pris le réflexe, comme de nombreux Français, d'accrocher leur protection au rétroviseur intérieur de leur véhicule, l'ont récemment découvert, à leur grand dam. Si cela permet de l'avoir rapidement en main au moment de sortir de la voiture, comme le rapporte le média allemand Blick, dont le journal 20 minutes se fait l'écho, la pratique peut vous valoir une amende. Masque accroché au rétroviseur, en Suisse, c'est illégal. Selon Florian Schneider, porte-parole de la police cantonale saint-galloise, c'est illégal. Tout ce qui pend au rétroviseur obstrue la vue du conducteur et le distrait. Légalement, l'automobiliste doit à tout moment pouvoir voir un objet se trouvant à 12 mètres devant lui, explique-t-il. Bien qu'ils assurent ne pas faire la chasse à cette mauvaise habitude, les autorités suisses restent vigilantes durant les contrôles. Si une patrouille constate une telle situation, elle est obligée de le signaler, poursuit Florian Schneider. Un signalement est alors effectué auprès du ministère public. Il aura la tâche de définir ultérieurement une sanction appropriée, dont le montant peut rapidement grimper à plusieurs centaines de francs. L'Office cantonal de la circulation peut également décider des mesures administratives, en procédant par exemple à un retrait de permis. Pour l'heure, difficile d'évaluer le nombre de conducteurs sanctionnés pour cette pratique. On peut toutefois rappeler qu'en 2012, un automobiliste avait dû s'acquitter d'un PV d'une valeur de 230 € pour simplement avoir accroché le fanion de son équipe préférée à son rétroviseur. Si vous prévoyez un prochain voyage en Suisse, soyez donc vigilant.